Chers amis, quel que soit côté que vous y êtes, amis internautes, nous vous branchez, nous vous disons bonsoir, bonjour, ça dépend de côté que vous attendez nous. Émission pour là, encore une fois, la voix de la caille, la place, le docteur du conseil. Nous voulons saluer tout le monde qui a regardé nous, spécialement nous saluer Carmel qui est avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, Carmel, pour nous gagner. Un plaisir pour nous tous, nous comptons pour nous capables ensemble. Nous saluons le docteur Jean-Daniel Falaise, l'infatigable. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Carmel. Tous les amis, nous bonsoir. C'est un plaisir, encore une fois. Nous allons travailler. Oui, nous allons rentrer d'emblée. Là, mais si nous n'oublions pas que nous avons un terme qui est extrêmement important que nous avons touché aujourd'hui, c'est le cancer du col de l'utérus. Tout le monde, spécialement Fio, prends tes chaises ou chita, on va le joindre conseil et on va le joindre pour pouvoir partager avec le monde capitaine nous. Tout d'abord, comme nous toujours faisons, nous allons passer l'image topographique. Vous avez docteur? Oui, on pour avoir une petite idée. Parce que nous avons parlé de à continuer à parler de cancer, comme nous avons déjà la fois dernière. Nous avons parlé de la relation qui est entre cancer du col de l'utérus et HPV. Encore, virus. Human papillomavirus. Et bonsoir, chers amis, et nous comptons d'être privilégiés encore une fois pour nous rentrer à la carrière avec notre mission, le docteur nous conseille. Nous avons continué à parler de cancer du col de l'utérus. Nous avons parlé de cancer du col de l'utérus, sans qu'il nous ait parlé de virus que nous avons là, que nous avons dit. Papilloma virus humain, que nous avons dit HPV dans le site anglais. Virus ça lui-même, son virus qui transmet généralement par voie sexuelle. Lorsque les chitons dans le col matrice, là, nous avons dit la fois dernière que le cancer du col de l'utérus, comme nous avons indiqué dans le col de chita, et c'est un cancer qui développe lentement. C'est-à-dire que lorsque on est infecté, par virus ça, les chita dans col matrice là, les causes des lésions, c'est pas traité bien sûr, la cause des lésions précancéreuses, mais il prend bon temps aux environs de 10 ans et plus, il va être transformé en cancer. Mais faut dire que plus fort femme rencontrer près de 80% de femmes yo fait rencontre à virus dans la vie. Mais le système yo éliminé naturellement. Sauf seulement lorsque le monde a des problèmes immunologiques, le système de défense n'est pas en forme, virus ça a causé des lésions précancéreuses et causé cancer après. Encore si le monde a fumé, le tabac joue un rôle extrêmement important aussi dans le cancer du col de l'utérus. Si vous êtes infecté par le virus papilloma. Il y a un bagage qui est important dans les que nous connaissons. Si le virus qui a dépisté à temps, il est traité normalement, 100% traité, virus là bien sûr, il n'a pas arrivé dans le cas de cancer. Mais il faut connaître que 99% des cancers du col de l'utérus, eh bien, justement, les dû à l'infection SARS. Papilloma virus, virus SARS que nous avons gardé là sur l'écran, non? Et nous avons virus SARS lui-même, et c'est une grande famille de virus. Il y a près de 150 virus, spécimens de virus, bien sûr. Mais pour nous dire que c'est près de 15 pouces et une quinzaine de virus dans le papilloma qui sont responsables de lésions invasives du col de l'utérus. Et c'est pas traité dans l'espace de 10 ans et plus, il va être transformé en cancer du col de l'utérus. Alors, dans tout ça que nous avons, dans tout type yo, nous avons spécimen 16 à 18 là dans le papilloma virus, c'est un qui est plus fréquent pour causer lésion ça, ça que nous avons le cancer du col de l'utérus. Alors, pour avoir une notion qui est plus claire au point de vue scientifique de
virus ça de cancer yo. Nous te déjà la fois dernière cancer achita dans col là. Il y a achita la partie roi, la partie bas, col utérus là. 80% de cancer du col de l'utérus chita au niveau dans bas col là. Là on gagne des cellules là à bord des cellules, nous les des cellules escamoses. Eh bien, pourquoi les cellules escamoses sont aussi des cellules qui semblaient tête coupée avec des écailles de poisson et qui tapissaient partie ça Noël là, col de l'utérus avant que ou monte dans vagin. OK, m'expliquer nous image très bien là. Eh bien, lorsque parce que quand c'est au 40% qui est dans la zone, c'est dans le bas de l'utérus, dans le bas col de l'utérus. Et bien, lorsque le cancer a vraiment, et effectivement, les vient dans la cellule squameuse, qui semble, comme moi dit déjà, à quel poisson, et bien, c'est quand c'est ça lui-même, nous venons le carcinome épidermoïde. Ok, nous non bien, non, carcinome épidermoïde. Quand nous avons près de 10 à 20% de cancer qui vient situé entièrement pire col là, dans la partie supérieure col là, là nous avons aussi des cellules, nous avons des cellules glandulaires. Et bien, cellules ça y est même, c'est eux même qui produit mucus qui ne vient pas dans la partie ça spécialement dans la matrice là. Le cancer a pris naissance plus ou moins dans la partie ça et nous il dit son cancer de type adénocarcinome. D'accord? Très bien. Maintenant c'est le virus ça que nous voilà. Parmi le virus là. Eh bien, il est très fréquent surtout dans le monde qui gagne des partenaires multiples. C'est-à-dire que virus ça pas seulement au premier sexuel, gen moun ki gen nan gorjo, gen moun ki gen nan koyo tout, mais et di fréquent pile nan moun ki gen plusieurs partenaires yo fis exposé à virus là. Donc nous pas wè que gen pa gen groupe de catégorie de moun ki mou exposé. N'a gen pou ka vin sa avec nous après bien sûr. Mais est-ce que tu connais que gen un vaccin qui existait contre le papillomavirus? Oui. Et bien, nous avons gagné très bientôt pour qu'on puisse y aider sur ça. Nous allons expliquer comment nous avons fait prévention pour ne pas arriver dans le cas de cancer, ça, que nous relais, cancer du col de l'utérus. Et la principale cause, c'est papillomavirus humain. Donc, si nous voulons qu'on puisse, chers amis, pas de brancher était sur canal ça et bien nous avons plus explication nous allons développer pour nous en gros le terme uterine cancer HPV qui rapport qui gagne avec virus ça et surtout qui est bon qui peut exposer. Merci, à tout à l'heure. Après que nous fassions garder toute image ça que docteur Yann t'a passé pour nous et qui t'a bail des informations, je suis certain que zami nou yo k'ap koute nou, k'ap gade nou yo, yo genyen des questions parce que ta remè konnen un peu plus pour yo k'ap protéger tête yo mieux et surtout mesdames yo, moi même m'intéresser en pile en tant que fille, ça qui a parlé à ces bagages qui gen rapport à nous autres, donc m'intéresser en pile. Et nan nou mesdames yo, nous t'a remè poser docteur en question pour m'ta mande docteur Yann. Là nous parler de HPV hein, ou bien tu as dit tout HPV, c'est qui ça exactement lié, qui explication que capable banon de ça? Très bien Carmel, et nous pas parler de cancer du col de l'utérus sans que nous pas mentionner virus ça, nous le HPV en anglais c'est human papillomavirus, donc en français c'est papillomavirus humain. Ça a été chez amis. D'après études qui prouvent, 99% de cas de femmes qui font cancer du col de l'utérus, c'est le virus qui baille. Comment baille tout d'abord? Faut on dit quand même son virus qui transmet sexuellement. C'est-à-dire que, maintenant, les prennent dans l'organe sexuel,
Et virus ça lui-même va causer des lésions précancéreuses, ça avait dit. Les virus ça lui-même l'aller dans quoi là, il va une infection d'abord, une infection virale, qui a traité tout simple. Mais pas traité, et qu'au bout de 10 ans et plus, il était, il va avoir des lésions précancéreuses, qui va transformer en cancer après. D'où l'importance pour aussi de mesdames, si on fait ses propres régulièrement, il ne fait pas ce mio. Et bien, il y a plus où est-ce qu'il y a à terre traité pour arriver dans le cancer du col de l'utérus. Mais je n'ai pas la question du virus qu'on prend et SPVA, au point de vue sexuel. Alors, actuellement, des études prouvées, et pas seulement dans nous qui est HPV. Pour commencer, en plus, le garçon, c'est ça qui nous aide des porteurs sains. Le garçon a gagné du tout, mais il a transmis. Par exemple, là, si on fait une relation sexuelle avec un garçon, il prend le virus là, et tout le temps qu'il y a plus de partenaires, il y a plus de charge de virus. Par exemple, son cancer qui fait qu'un pile dans le monde qui passe plusieurs partenaires. Donc, il y a un remarque qui est assez intéressant. Il y a un groupe de monde qui a moins de cas, il y a un ancien de communauté qui a moins de cas cancer du col de l'utérus. Pour que ça va être un ancien de groupe religieux. Mon sort est conservateur eux-mêmes. Il y a pas plusieurs partenaires, il y a pas plusieurs garçons, et bien, le monde sait qu'en plein de l'homme religieux, il n'y a pas du tout la caillou. Vous voyez, pour l'instant, c'est très important. Donc, c'est plusieurs partenaires sexuels qui ont été importants dans la transmission du virus. Et le virus, ça, tout lui-même, chers amis, il n'est pas seulement dans la pénétration, il y a pas dans le baiser, il y a qui vient dans le gros, il y a un sous-coyo, il y a façon qu'il y a un humain. Et au point de vue sexuel, c'est moi qui suis pratique là, qui transmette. Le bagage, on connaît sauver ça pour que nous connaissions, mais là, nous connaissons. Lorsque nous prenons le virus là, nos relations sexuelles, et que nous faisons des suivis avec les rapides, pas arrêter après un peu de temps, on finalement, chaque 5 ans, il y a des fonctions de test et parmi le virus. Si vous avez gagné les positifs, et bien rapide, il y a fait mon pour vous et il y a traité. Voilà, merci beaucoup, Dr. Falaise. Je pense que l'émission que nous gagnons, c'est une émission qui est plus intéressante dans tout ça que nous avons fait. Parce que c'est très important ou toucher le sexe, c'est un bagage que, you know, en pile monde, nous connaissons ça, parler de lui. Est-ce que ça t'a dit, nous avons dit, nous n'avons pas de sexe? Son bagage qu'on a dit on mettait de côté parce que en pile monde ça a intéressé yo son maladie que nous capable prendre dans sexe qui ça plus que nous capable dire de ça qui ça plus que capable dire auditeur nous yo nos chers internautes parce que nous pas interdire le sexe c'est quelque chose que bon Dieu ba nous pour nous enjoy mais comment nous capable en profiter de ça que bon Dieu ba nous pour capable aider nous épanouir nous pendant que nous protégeons tête nous contre maladie ça et nous ta tout profiter mando est-ce que gagne un groupe de monde qui pi à risque qui monde qui à risque non question maladie ça Kamel, bien sûr nous pas interdit le sexe mais nous pas conseiller de conseiller mon yo par exemple par plusieurs partenaires on pas qui bien un groupe partenaire sexuel avec pour vivre ensemble OK on pas de gagner plusieurs partenaires yo le pas qui encore c'est que lorsque nous-mêmes nous exposons à un virus là, au cas attendre pour détecter le virus là, mais dès que on peut voir qu'on est malade, ok, et au cas à faire un test pour voir est-ce que ou bien la carrière pour autre chose, défini ou est appartenu ou tout reste pas un problème du tout, parce que c'est quand même pour commencer 80% de femmes n'ont vu quand même de faire le virus là, imaginez tout le monde. Il faut faire un peu déjà, mais le système yo normalement éliminer le virus. Ça veut dire que tout le monde qui fait avec papier un virus dans la vie, yo, au point de vue sexuel, il a fait cancer matrice pour ça. Cela signifie que le virus là, le système en forme, souvent ça me dit en forme, l'a éliminé. Mais dans le cas où on sait de monde, par exemple, on est vulnérable, le monde qui fait greffe, qui fait opération déjà, mon qui frappe ses aïennes, mon système de parents qui fait attention. Lorsque mon cerveau est infecté par le virus là et qu'il n'est pas traité, oui, il a causé à long, lentement, pas rapide. Vous passez 10 ans, 10, 12 ans, 13 ans. D'accord? Et surtout encore,
parce que c'est un monde qui n'est pas obligé de cancer, généralement, dans 40 à 50 ans, 42, 43 ans jusqu'à 50 ans. Il n'y a pas un âge bonheur. D'accord? Maintenant, avec ça qu'on est là, il y a une évolution. Évolution lente, c'est que vous avez fait un examen, vous avez traité, vous avez bien cancer du tout. Le bail qui est assez intéressant, quoi. Actuellement, et je trouve que il y aurait qu'un peu de garçon pour qu'on est là, qui a un cancer pénis, cancer voie anale, il y aurait qui cause c'est papillomavirus. Pourquoi ça, mes amis? Parce que nous avons gagné une augmentation de homosexualité, homosexuelle, et que qui est légalisé, et soit qui est normal, et il y aurait qu'un peu de cancer. Non, mesdames, yo, à part les cancers de cancer de l'utérus, cancer de la vulve, cancer du vagin, dans mesdames, yo, US papillomavirus à présent, dans garçon yo, cancer pénis, cancer anal, dans monsieur yo, yo el tout. Par exemple, ça va faire ça sur le sexe anal. Donc, en gros, quand elles sont virus qui fréquent en et qui n'a pas mis non, comme nous déjà, quand même pour ça, de mesdames, yo, fait face avec les médias de façon éliminée. Okay. Mais son virus qui est présent, qui est responsable, quand même pour ça, quand 1% de cas de cancer du col, et bien c'est virus ça, papillomavirus HPV, lui-même qui est responsable. D'où l'importance pour nous-mêmes, par exemple, nous faire des préventions parmi mesdames, c'est-à-dire que on finalement, on doit faire pas régulièrement, ça qui est le flottista, ok, pour qu'à vous voyez, c'est quoi là, intact. Parce que l'imagination ne parle pas de deux types de cancer. Les capables, il y a un carcinoma épidémoïde ou encore il y a un adénocarcinoma. Ça veut dire que c'est là en bas, matrice ou c'est antigène à l'air. C'est avec les grenades là, d'accord? Okay. Mais maintenant, pour ça, je m'en dis que si on fait mes amis, on peut se dire régulièrement, on va arriver là. Donc, important, chers amis, mesdames, nous, pour faire détection à temps, prévention pour ne pas arriver dans le cas ça. Et on va dire pourtant, préservatif, pas protéger les gens contre le papillomavirus. Oh, c'est bien, vous l'entendez ça. On a envie de poser docteur la question à ce concernant. Mais docteur, on a mis le clair pour nous. Préservatif, ce n'est pas ça qui a mis vraiment en protection contre HPV. Hein. Donc, du fait, nous devons protéger tête nous. Je pense que l'émission, ça, comme je dit nous déjà, c'est intéressant pour moi en pile. Je ne peux pas garder nos seules fois. Je vais tourner sous lit, retourner sous lit. Et je prends le soin pour me capable faire l'autre monde joindre l'information là-dedans. Parce que but nous, c'est pour nous capables vivre en bonne santé. Tout ça que nous sommes capables de faire qui vous permettre que nous en bonne santé, il faut nous faire et le nous faire, il faut nous partager l'information. Docteur Falaise, je ne sais pas qui m'a encore dans le moment ça pour nous utiliser pour me remercier pour ces conseils. Et je crois auditoire nous hein li content conseil ça autour et me pense il y a bay feedback là il y a bay feedback là Chantal et comment ou capable orienter tout auditeur nous yo téléspectateur nous yo monde qui garder émission ça yo pour capable partager comment ca orienter encore dans sens ça donc nous ouais tout monde qui garder émission ça li extrêmement important comment capable intéresser pour capable partager avec l'autre monde. Nous avons dit que nous avons dit pas oublier que le docteur nous a mis en phase pour nous booster l'immune système nous tout parce que nous avons tout autre immune système. Oh, l'eau en pile, ou est-ce que nous sommes pas capables de combattre le virus parce que pas oublier que le virus est dans le système. Donc, il faut qu'il y ait un système haut pour éliminer parce que normal flora, il y a la caille. Donc, pour qu'il y ait réellement en branle, c'est l'immune système pour toujours booster. Prendre des vitamines, manger bien, faire exercice, bien dormir. Tout ça, il y a un extrêmement. Mais je ne sais pas, il y a une bonne question, Kamel, à faire un signe là. Yes. Ok, vous allez vous dire avec un film, avant de conclure, Kamel. Voilà, question pour vous, et je pense que c'est la dernière dans la série ça. Est-ce que vous avez un vaccin contre maladie ça, est-ce qu'on bagaille que nous capable faire en tant que expert, monde qui formé, étudié dans la matière, informez-nous. Très bien. Belle question. Et quand même effectivement, qui a un vaccin pour papillomavirus là. OK? N'a pas de traitement, pas des informations pour monde, parce que pas des trop, mais ce vaccin quand même normalement
En 2021, là, ils ont fait et accès sur ça pour vacciner des petites filles de 11 à 14 ans. Pour qui ça? Et tu trouves que ces petits gens, dans l'âge, ça y est, ils ont commencé pour les premières relations sexuelles, 11 à 14 ans. Parce que il y a un facteur quand même de risque dans ce monde lui-même. Il dit qu'on s'est dans un sexe trop bonheur, tout ça qui est là, c'est une section précoce, vous savez? Parce que d'après les études qui prouvent, chaque combattriste lui-même, lui en passe, il y a un esprit étranger, surtout après l'an, jeune Simon Sayot, qui est infecté par le virus, et bien, il a causé des lésions précancéreuses, qui a été en cancer avec le temps. Donc, le vaccin en lui-même, quand même, très belle question, il est protégé de ces dames contre. Justement, parmi les virus, pour y avoir fait maladie. Donc, le vaccin, c'est de 11 à 14 ans au bail. Et actuellement, en 2021, surtout, il faut faire un peu de promotion sur ça pour que en pile, on commence à avoir une bonne information pour que les vaccins pour y vaccin déjà un bon résultat. Avec le vaccin, ça lui-même, on n'a pas un moyen du tout pour faire maladie. Et d'après les études qui ont été vaccinées, ils vont extendre tout pour les garçons. OK? Et pour monsieur, tout ça est prévention, parce qu'ils ont éliminé les HPV dans la vie qui cause un peu de problème. Mais bien sûr, quand même, les pays sont développés, ils ne vont pas y arriver là. Mais dans les pays développés, ça y a la vie là, qui est moyen, parce qu'il existe pour eux, et actuellement, tout le monde est couvert à l'aise, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème d'attention. Si tout le monde fait un travail sexuel, il y a un conseil pour le vaccin comme prévention pour arriver dans des maladies précancéreuses et cancer du col de l'utérus. Donc c'est tout ça que nous avons parlé avancer avant que vous nous disiez comment vous êtes cher, parce que nous devons encore des vaccins sortis et que vous êtes capable de commencer à faire plan. Donc, nous voulons que tout le monde soit informé et pour qu'on informe l'autre monde. Comment on fait ça? On va taper Jean-Daniel Falaise. Et puis, qu'on y a même pour aller cliquer sur cette cloche là à droite pour capable inscrire ou encore abonner avec l'émission. Là, nous dit abonner, ce n'est pas payé. C'est une façon pour nous dire pour capable intéresser, garder nous. Chaque fois que une émission sorti pour capable comment on voit elle lorsque fin cliquer sur petite cloche là on va aller sur toutes et puis là bas on une notification une petite alerte quatre fois qu'on est que il y a une nouvelle série qui sorti pour capable sortir à regarder nous-mêmes et là fin joindre pour former tête ou informer l'autre monde parce que émission c'est pour ça que vous faites. Pour tout le monde capable de connaître, tout le monde capable d'informer et informer l'autre monde. Parce que dans une petite communauté, nous allons vivre en bonne santé et pour nous capables des agents qui sauver des vies, c'est pas vrai quand même? Yes, exactement. Donc, il est extrêmement pour tout le monde capable d'écouter l'émission, ça, le docteur nous conseille. Et nous allons tout le monde rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission encore. Presque même gens parce que nous n'avons pas fini. Nous avons des traitements, nous avons au service de l'autre point pour nous capables de toucher encore avec nous. Donc, restez branchés. Ensuite, dans l'émission, nous avons fait des forces pour nous tous sur le vaccin. Et tout ça, c'est actuellement qui est en vogue. Et nous avons conseillé déjà à Mounio pour le vaccin, pour faire prévention contre papilloma virus humain. Donc, à tout le monde qui t'a écouté, nous voulons dire à la prochaine. Bonne semaine. Au revoir.